Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de la rentrée de Parabole. En temps normal, le 15 août, de nombreux Alsaciens se rendent en pèlerinage à Lourdes. Cette année, ça n'a pas été possible à cause de la crise du Covid. Alors l'archevêque a eu une idée, il a invité toutes les paroisses d'Alsace à organiser des processions dans toutes les églises où il y avait une reproduction de cette fameuse grotte de Lourdes. Pour vous, nous étions à Neunkirch. Cette statuette sortie délicatement de son reliquaire a toute une histoire. Tout commence au XIVe siècle. Un berger qui garde son troupeau trouve en forêt une statuette qui mesure 12,5 cm. Il la ramène chez lui et au cours des siècles, elle va disparaître à 9 reprises. D'où le nom de Neunkirch, et à chaque fois, elle sera miraculeusement retrouvée. Ainsi est né ce sanctuaire, et aujourd'hui, comme chaque année le 15 août, des milliers de pèlerins viennent prier Marie. C'est une façon de lui dire vraiment, Maman Marie, grand merci, tu nous entraînes. Ce que tu as fait nous stimule, ce que tu as fait nous motive à suivre davantage ton fils. En raison de la pandémie, les Alsaciens n'ont pu se rendre à Lourdes cet été. Le diocèse a ainsi proposé à chaque communauté de paroisse de vivre une journée de pèlerinage. Je suis extrêmement heureux que nous ayons pu vivre Lourdes en Alsace à la façon de nos anciens qui avaient du mal à s'y rendre pour des raisons de voyage, de longueur et de coût, ou de maladie, et qui se trouvent ici aujourd'hui devant la Vierge de Lourdes qui vient comme faire reluire tous les messages antérieurs, puisque nous avons en Alsace la plus ancienne apparition de la Vierge Marie reconnue aux trois épis, par exemple. Le lien qui unit Lourdes à l'Alsace date de la fin du 19e, début du 20e siècle, époque où 150 grottes de Lourdes environ sont édifiées dans le diocèse. Depuis lors, va grandir en terre d'Alsace une vraie ferveur, une sorte de piété populaire. Que les sanctuaires puissent porter en premier, si j'ose dire, la religion populaire, dont je rappelle qu'elle n'est pas la religion simplement des simples ou autres, c'est la religion de tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire c'est la proposition, par exemple, d'une procession qui peut être vécue par tout le monde. Parmi les pèlerins du jour, certains manifestent avec émotion leur attachement à la figure de Marie. Je me suis dit, là, cet après-midi, il y avait très peu d'enfants, mais je me suis dit, c'est important pour d'emmener nos enfants et de leur montrer ce lieu de pèlerinage. Pour toute notre famille, c'est comme une mère. Donc automatiquement, si on a un besoin ou si on a un problème, c'est vers elle qu'on s'adresse, comme on s'adresse à une mère. Je ne suis pas la Vierge, mais j'essaye de ce qu'a enseigné Jésus sur terre, de le transmettre à mes enfants moi-même. Après avoir porté la statuette de la Vierge en procession autour du sanctuaire, l'archevêque rappelle la place de Marie dans la spiritualité catholique. Rappelons qu'à Lourdes, seule Bernadette voyait la Vierge, hein, donc les autres ne la voyaient pas. Mais elle peut venir à nous à travers une statuette, comme à Neunkirch, à travers d'autres phénomènes, tout simplement des phénomènes intérieurs. Elle vient comme entrant chez nous avec sa grâce, avec sa délicatesse, comme elle a procédé avec Élisabeth, et elle vient susciter en nous une espèce de religion de l'incarnation, mais qui ne soit pas que masculine, qui soit aussi profondément féminine, pleine de délicatesse, pleine de maternité et donc de fécondité. Rendez-vous est pris le 15 août 2021 à Neunkirch, et espérons-le, la ville de Lourdes accueillera l'an prochain de nouveau le pèlerinage diocésain. Petite nouveauté de la rentrée dans Parabole, nous vous proposons une série sur les chapelles remarquables en Alsace. Pour commencer, on va découvrir la chapelle du Tré, c'est au Markstein, et vous verrez que les raisons de l'édification de cette chapelle sont assez émouvantes. On regarde. Le ruban est coupé. Ainsi est inaugurée la petite chapelle imaginée quelques années plus tôt dans les Alpes à l'occasion d'un séjour de vacances familiales. Dans ces fermes d'altitude, dans ces montagnes visitées, il y avait très souvent une chapelle à côté de la ferme d'altitude.
Et puis j'ai même dit, il y a un endroit qui me plairait, c'est cette petite crête qu'on voit à partir de la ferme, à la limite des bancs de Ransbach et de Fellerin. Et puis c'est comme ça que le projet a pris forme. Pour mener à bien ce projet, c'est toute une équipe de bénévoles qui s'est mobilisée sans compter, en donnant du temps et de l'argent. Si le projet se réalise, on est prêt donc à aider, hein, et donc c'est surtout tous les matériaux qu'ils ont payés, aussi quelques heures forcément, puisque ça a quand même pris un peu de temps. Hein. Et alors moi j'ai pris l'engagement de prendre en charge les dépenses de la construction. Loin d'être une verrue dans le paysage, la chapelle a tout de suite trouvé sa place en devenant un lieu d'inspiration et de prière. J'aime bien chanter, donc il m'arrive souvent d'emmener la petite fille et on chante ensemble et la vue est magnifique. Et... Alléluia, 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 Alléluia. Toute chapelle se doit d'avoir sa cloche. Celle du trait a été trouvée grâce à Pierre, le maçon qui travaillait à sa construction et qui s'est souvenu qu'une cloche attendait son heure depuis de nombreuses années. Antoine, ma grand-mère, a une cloche dans son grenier. Et je vais lui demander si elle serait d'accord que cette cloche vienne ici dans la chapelle du trait. La grand-maman toute heureuse de savoir que cette cloche retrouvera sa fonction première, c'est-à-dire de sonner, hein, a tout de suite été d'accord. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse, tu as confié à l'homme la capacité de construire de grandes et belles œuvres. Nous te confions ceux qui viendront se recueillir dans cet oratoire Sainte-Anne. Que cette petite chapelle soit un lieu où l'on s'ouvre à ta parole, pour repartir avec courage sur la route de la vie au service des hommes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si cette chapelle est dédiée à Sainte-Anne, ce n'est pas par hasard. Ce choix a été guidé par un événement douloureux de l'histoire familiale. Dans mes cinq filles, la troisième était une Anne qui était une enfant trisomique. Et puis j'avais toujours fait quelques réserves financières dans le cas où je serais parti avant elle. Et puis donc elle nous a quittés le 2 septembre 2017. Ce que j'avais mis de côté pour elle, je l'ai mis maintenant pour grande partie dans la chapelle. Construite en lien avec le passé, cette chapelle est désormais un lieu de prière pour toute la famille. Sainte Anne, toi qui as si bien élevé ta fille Marie, je désire te remercier de m'avoir donné 4 enfants et 7 petits-enfants, bientôt 8, tous en bonne santé, d'avoir veillé à mes côtés, à leur bonne éducation et de m'avoir permis de leur transmettre ma passion pour la vie de Marker. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Grâce à la magie du lieu, la chapelle n'appartient plus seulement à un cercle familial, mais devient un lieu offert à tous. C'est un lieu où on va, je pense, prier, hein. Bon, il y a des gens qui monteront sans faire de prière, mais ça c'est tout à fait normal aussi. Il y a des gens qui visitent des églises sans être forcément enclins à prier. Pour des siècles sans doute, la chapelle Sainte-Anne est désormais pour tous un lieu d'inspiration, de réflexion ou de contemplation. Le 15 octobre prochain aura lieu à la cathédrale un concert dans le cadre du festival Sacrée Journée. Alors Sacrée Journée, c'est une semaine consacrée aux musiques religieuses du monde entier. Pour vous, nous étions cette année à ce festival et nous allons vous faire découvrir des chants chamaniques. On écoute. Oh,
C'est comme hypnotisé que le public découvre cette danse chamanique. Aujourd'hui, deux chamans sont invités à l'occasion du festival Sacré Journée. Fernando Celicion venant d'Amérique du Sud et Bola Nath Bonstola du Népal. That was the ego dance. I'd like to explain many of the things that we have within the sanctuary. Chez de nombreux peuples, le chaman est un médiateur entre les hommes et les esprits. Something that's not our choice. It's given to us by the ancestors. So we're chosen, and we don't have no choice but to take it in and to live the right way and basically. To take care of the people through ceremonies, healing, helping the people through many transitions within their lives, and to help the people grow. Les chamans ont mis la musique et plus particulièrement le rythme au cœur de leur pratique. Elle aurait pour eux plusieurs pouvoirs, mais surtout les aide dans leur connexion avec les esprits de la nature. The shamans believe that everything is made out of rhythm. Our body is a condensed form of rhythm. So we need the rhythm, we play the drum. When we play that, it helps us to concentrate, it helps us to focus, and then it automatically changes our spirit, our body sensation. So the Earth Mother, Termer, Earth Mother says, it is here and now. Dum, dum, dum. So it says here and now. So we play, when we play the rhythm of the Earth Mother, you can just hit your hand, clap your hand, thump, thump, okay? Bien que leurs pratiques soient souvent peu partagées avec le grand public, aujourd'hui, les chamans sont conscients de cette nécessité de diffuser leur culture. C'est d'ailleurs une ouverture qui se passe dans les deux sens. It is very important because shamanic practice is as much as individualistic it is, that much community kind of work it is. So in today's world, we cannot do the thing only for ourselves. It is time that we share, support, and evolve. Je crois qu'il y a une envie de mieux connaître. Et aujourd'hui, peut-être les religions traditionnelles qui, à un moment, allaient donner une vérité dogmatique, s'ouvrent à eux pour découvrir la vérité de ces peuples premiers. Et il y a des résonances particulières. Quand on parle d'esprit, j'ai entendu le chaman népalais tout à l'heure, je sentais le vent, c'était le souffle de Dieu qui était présent. Et quand on voit les textes anciens, les textes hébreux, c'est bien cette trempe-là qu'on découvre. L'ouverture et la découverte sont les maîtres mots du Festival Sacré Journée, que ce soit pour les croyants et non-croyants, ainsi que les artistes eux-mêmes. C'est oser la fraternité des deux côtés, et c'est ce que compte de nouveau proposer le festival lors des prochaines éditions. Donc sachez que le festival Sacré Journée aura lieu en 2021, du 1er au 7 février. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt.